quelque part, comme 37 000 de ses fidèles, plus les membres de leur famille, nés ou à naître, traqués jour et nuit par la répression coloniale. Le prophète emprisonné, son message de subversion et de salut, continue à travailler en profondeur la société congolaise. Et le monde entier se passionne pour sa cause. Les églises chrétiennes établies se disputent à son sujet. Quelques-unes s'enferment dans un silence embarrassé, d'autres parlent en sa faveur. Les panafricanistes noirs d'Afrique et des Amériques l'adoptent aussitôt comme un frère de combat. Les hommes, les femmes, les partis de gauche, même les communistes, dont on connaît l'athéisme, se proclament solidaires avec sa cause. Au Congo, apparemment, il ne se passe rien. Le Congo de l'époque était réputé être l'empire du silence. Or, c'est ici, dans cette commune, où habitait un certain Joseph Kasavubu. C'est dans cette commune que ce message s'est à nouveau exprimé. Que dis-je ? Que ce message de subversion, de salut et d'espoir a explosé avec la violence et la brutalité d'une colère légitime trop longtemps contenue. C'était le 4 janvier 1959, une nuit d'émeute qui a suffi pour jeter par terre l'édifice réputé inébranlable du système de domination coloniale. Ce jour-là, cette nuit-là, les Noirs du Congo ont su qu'ils étaient devenus blancs. Ils ont su, ils ont vu que la prophétie de Simon Kimbangu devenait une réalité. Permettez-moi d'évoquer ici un souvenir personnel par rapport à cette géographie kimbanguiste des communes de Kinshasa. C'est encore ici, dans cette commune de Kasavubu, que moi, Elikia Mbokolo, j'ai vécu des choses inoubliables que je tiens à rapporter. C'était un autre mois d'avril, car dans l'histoire du kimbanguisme, il y a des mois qui parlent. Il y a le mois de juillet, il y a le mois d'avril. C'était un mois d'avril, avril 1960, au moment où le corps de Simon Kimbangu, ayant parcouru le Congo de Kinshasa, de Mbanzangungu à Kinshasa, de Kinshasa vers le nord, du nord vers le sud jusqu'au Katanga, le corps de Simon Kimbangu mort regagnait Nkamba via Kinshasa, mais cette fois-ci par le sud. Le prophète réalisant ainsi, à son corps défendant, le tour complet du territoire de l'actuelle République démocratique du Congo. Cette époque, la période d'avril 1960, est une période, comme chacun sait, chargée de fièvre, d'effervescence politique, hein, la première de notre pays. Et à l'époque, on ne parlait que de politique. Bolikango, Kasavubu, Pelumumba, Nakalonji, tout le monde connaît cette chanson. Or, Simon Kimbangu surgit, c'est l'homme inattendu de cette année 1960. Simon Kimbangu surgit dans cette période. La maison de mes parents se trouve quelque part ici, non loin de ce centre, presque au croisement de l'avenue Gambela et de l'avenue de la Force publique. Ce jour-là donc, je crois que c'était peut-être le 2 avril 1960, j'entends de l'intérieur de la maison un énorme brouhaha accompagné de mouvements divers désordonnés de foule, une sorte de précipitation fiévreuse. Le jeune garçon que j'étais à l'époque sort de la maison et demande « Mais que se passe-t-il encore ?»« Quoi, tu ne sais pas ?»« Mais qu'est-ce qu'il faut savoir ?»« Ngunza Mfumu Vutukidi. » Le prophète, l'envoyé de Dieu, est revenu. « Le prophète ? Mais oui, toi aussi, le prophète Simon Kimbangu. Il est revenu. On l'a vu en Ngiringiri. » C'est la commune voisine. On l'a vu, il se produit des miracles et nous tous, nous allons là-bas. C'était au rond-point de la Force publique, au croisement de la Force publique et de l'avenue Gambela. Voilà comment un adolescent de Kinshasa, de 15 ans, a rencontré quelqu'un dont il n'avait presque jamais entendu le nom et qui s'appelait Simon Kimbangu. Il y a donc une passion de Simon Kimbangu. Comme l'a bien montré le regretté Jules Chaumet, notre ami,
le frère indéfectible des Congolais, et de leur combat. Mais ce que je voudrais dire ici avec force, c'est que nous ne sommes pas autorisés à réduire Simon Kimbangu et le kimbanguisme à une lecture de malheur, une lecture de souffrance, une lecture souffreteuse, qui ne verrait dans le kimbanguisme que cette succession de souffrances sur la terrible, l'interminable répression dont le prophète et l'Église ont été la cible pendant la quasi-totalité du régime colonial. Toutes les sources, et en particulier les sources intérieures au mouvement kimbanguiste, toutes ces sources que nous pouvons aujourd'hui lire avec nos yeux débarrassés des préjugés des années 1920 et des années 1930, toutes ces sources nous obligent à une lecture différente. De fait, le combat de Simon Kimbangu est un combat victorieux. Victoire d'abord sur le colonialisme, car c'est lui, le colonialisme, qui avait d'abord condamné Simon Kimbangu et pourchassé ses disciples, et qui s'est trouvé dans l'obligation, le 24 décembre 1959, à quelques mois de l'indépendance du Congo, de se résoudre enfin à voir l'évidence selon laquelle il était impossible de détruire l'Église kimbanguiste. Elle est encore là, debout, devant nous. Nous ne pouvons que la reconnaître. Et aujourd'hui, cette Église, au moment où nous parlons, la voici qui continue de vivre et qui est devenue une grande dénomination religieuse, non seulement au Congo, mais aussi en Afrique centrale et au-delà, dans quelques dizaines, sans doute 3 dizaines ou davantage, de pays. Par son Église, voilà donc Simon Kimbangu présent parmi nous, victorieux et triomphant au-delà de la mort. Victoire encore de Simon Kimbangu dans le Congo indépendant, où cette Église est devenue l'un des acteurs les plus originaux du développement économique, social, intellectuel et culturel de notre pays. Et c'est justice, c'est pour cette raison que ce pays, cette nation, cet État, en la personne du président de la République, Joseph Kabila Kabange, a fait à Simon Kimbangu l'honneur légitime, lors du cinquantenaire de notre indépendance, de le citer dans l'ordre des héros nationaux Kabila Lumumba, et de lui remettre, cela a déjà été dit, à titre posthume, mais mieux vaut tard que jamais, la prestigieuse médaille de grand cordon de cet ordre. Victoire enfin, mais la liste de cette victoire n'est pas close à ce point. Victoire enfin sur le procès inique qui lui a été fait en 1921, puisqu'un autre procès est venu défaire ce que le premier a fait. Vous le savez tous, avant-hier, le 22 juillet, le procès en révision des arrêts de 1921 a, comme il se doit, remis les choses dans le bon ordre, libéré Simon Kimbangu d'une condamnation injuste, lui et ses 13 compagnons, et remis à Simon Kimbangu l'honneur et le prestige qui n'ont jamais cessé d'être le sien. On voit donc une chose unique, contrairement à ce que dit le proverbe, un prophète qui, d'entrée de jeu, a été perçu par quelques-uns des siens et qui, finalement, a été reconnu par tous comme un prophète dans son propre pays. Les choses sont donc claires, ou plutôt, elles devraient être claires. En réalité, elles ne le sont pas. À coup sûr, je dirais que Simon Kimbangu est une des grandes figures fondatrices que le Congo a données à ses citoyens, à l'Afrique et au reste du monde. Ces figures fondatrices du Congo ont des traits particuliers que nous devons savoir. Elles apparaissent toujours comme des météores. À peine les a-t-on aperçues dans une fulgurance éblouissante qu'elles disparaissent, et toujours dans des conditions tragiques, pour être aussitôt prises en charge, non pas par les Congolais, mais en dehors du Congo, avant d'être reconnues par les Congolais eux-mêmes. Bien sûr, je pense ici à Kimpavita, brûlé un jour d'avril 1706. Je pense aussi évidemment à Patrice Lumumba, assassiné le 17 janvier 1961. Je pense encore
à Laurent-Mzé Désiré Kabila, assassiné le 16 janvier 2001. Je pense bien sûr à tous les autres, connus et moins connus, qu'on ne peut pas citer ici. Du coup, cela veut dire que ces figures fondatrices apparaissent comme des constellations complexes, paradoxales, de signes, de symboles, de manifestations, d'expressions de choses qui restent toujours difficiles à définir et quelquefois difficiles à décrire. De fait, le kimbanguisme, c'est beaucoup de choses à la fois. Certains disent trop de choses à la fois. Le kimbanguisme, c'est d'abord évidemment une histoire, mais une histoire vraie. L'histoire, si on peut dire, des historiens. Une histoire au repère clairement établi. C'est l'histoire, non pas d'un homme qui surgit, mais l'histoire d'un long cheminement, un cheminement de plusieurs siècles, ici au Congo, mais aussi en Afrique centrale, un cheminement dans lequel Simon Kimbangu occupe depuis 1921 une place de choix et il apparaît comme le moment le plus fort. C'est notre aîné, Martial Sinda, qui est assis ici, qui nous l'a appris et que j'ai lu encore un souvenir personnel avec un mélange d'émotion, hein, Martial, je dois le dire, d'envie et presque de jalousie en disant « Oh là là, il a écrit le livre que je voulais moi écrire !» Mais tu as très bien fait parce que ce livre a ouvert les yeux à beaucoup d'entre nous et a précipité beaucoup d'entre nous, ceux de ma génération, celle de la génération qui me suit, celle de la génération qui suit la génération qui me suit, et ainsi de suite. Donc c'est une histoire vraie, une histoire d'hommes, de femmes, d'événements, de lieux, d'acteurs, de témoins, de personnes qui sont toutes identifiables et qui sont en cours d'identification. Le kimbanguisme, c'est aussi une géographie. Une géographie aux contours sans cesse plus larges. La géographie dans laquelle on peut suivre les chemins de la prédication, les sites des apparitions et des miracles, les routes de la déportation, les sentiers des pèlerinages, les voies de l'exil, les réseaux nationaux et internationaux des migrations forcées ou volontaires. Le kimbanguisme, c'est encore un univers social très complexe où l'on rencontre des lignées, des familles entières très stables sur plusieurs générations, dont les premiers membres remontent au premier temps de la colonisation et dont les héritiers actuels, nous en avons vu quelques-uns, des enfants de 4 et 5 ans, ne le cèdent en rien, en ferveur, à ces lointains ancêtres. On trouve là des femmes et des hommes de toutes origines géographiques, de toutes conditions sociales, des Congolais et des non-Congolais, des gens d'Afrique centrale et des autres parties du continent, des Africains de l'intérieur et ceux des diasporas, des Africains et des non-Africains, des Noirs, des Blancs, des gens de toutes les couleurs, comme on dit. Cette sociologie mérite évidemment étude et a commencé à être bien étudiée. Le kimbanguisme, c'est aussi une foi. Ce sont des croyances qui se donnent à voir dans des pratiques rituelles particulières. Et ces pratiques, à leur tour, sont adossées, et c'est un point important, à une créativité artistique qui est unanimement admirée en Afrique centrale et à travers le monde, et qui s'exprime au long d'une série de cantiques sans cesse renouvelés depuis près de 100 ans, au long d'ensembles musicaux, de compositeurs, d'instrumentistes, de chefs d'orchestre, d'artistes et virtuoses individuels, parmi lesquels Simon Kimbangu lui-même, le premier flûtiste de son église, et parmi lesquels le non moins expert dans l'art de la flûte, qu'est l'actuel chef spirituel, son éminence Simon Kimbangu Kyangani. Une tradition spirituelle, une tradition artistique, attestée donc depuis les commencements jusqu'aujourd'hui. Et comment ne pas parler de cette triptyque devenue justement fameuse qui habite aujourd'hui chacun des kimbanguistes et qui porte avec elle une vision accompagnée de pratiques concrètes dans des champs aussi divers que l'économie, la vie en société et bien sûr la vie politique. La triptyque Bolingo, Mibeko, Misala. Bolingo, l'amour, qui veut dire aussi
la solidarité et la fraternité. Mibeko, les lois, je dirais simplement la loi au singulier, à condition, bien sûr, et ce fut là le sens du combat de Simon Kimbangu, à condition que ce soit des lois justes. Misala, les travaux, parce que le travail, c'est lui le travail qui dignifie l'homme, c'est lui le travail qui vient à bout de tout. Le kimbanguisme, ce sont aussi évidemment des principes, des valeurs individuelles et collectives. Ce n'est pas une de ces morales abstraites, hein, faites d'obligations et de recommandations, très rapidement violées par les fidèles et les prédicateurs eux-mêmes, comme nous en voyons beaucoup d'exemples ici à Kinshasa. C'est au contraire une sorte de philosophie, un mode d'être, un genre de vie, une prise en charge de soi et des autres, avec cette manière d'être qui se lie jusque dans la façon, vous le verrez, vous regardez-le, à cette façon qu'ont les kimbanguistes de porter leur corps. Cette espèce de sobriété, de rigueur, de sévérité, voire de rigidité, associée néanmoins à un évident souci d'élégance, lié à ces deux couleurs, vert et blanc, et associé à cette souriante disponibilité que nous avons tous pu mesurer aujourd'hui en début d'après-midi. Il y a aussi cette sévérité, cette apparence de raideur, mais que viennent aussitôt démentir ces beaux balancements des mains, des bras, des têtes, des jambes et des corps lorsque entrent en scène les fanfares, les flûtes et les chœurs kimbanguistes. Avec cela, la discipline, une discipline rigoureuse, l'efficacité des réseaux, le rendement du bouche à oreille, et cette espèce de vigilance et d'éveil permanent, ce devoir scrupuleux d'obéissance, associé à l'obligation d'initiative, toutes choses qui sont sans doute l'héritage de cette longue, belle et très importante période de clandestinité. Sorti de la clandestinité, le kimbanguisme est devenu une institution, un ensemble d'appareils, avec ce que cela suppose comme hiérarchie, agencement de type pyramidal, doublement, chevauchement de compétences, et bien sûr, toute institution entraîne en son sein et avec elle une série attendue et imprévisible de contradictions, de différends, de conflits qui, quelquefois, peuvent devenir antagonistes, prendre la forme d'une crise plus ou moins durable et que nous aurions peut-être tort de considérer comme autre chose qu'une blessure passagère. Il y a aussi, bien sûr, non pas dans le kimbanguisme, mais à côté de lui, autour de lui, les on dit, à Kinshasa on dit biloba loba, les rumeurs, beaucoup de rumeurs, trop de rumeurs, certaines élogieuses, d'autres chargées d'ignorance, de calcul, de crainte, et d'autres encore très clairement héritées des longues campagnes de diffamation et de diabolisation de l'époque coloniale. Tout cela, évidemment, fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et je n'ai pas parlé des questions de théologie, car les savants réunis ici ne sont pas des théologiens. Et en matière de théologie, ils sont tous, nous sommes tous, totalement incompétents. Mais tout le reste qui relève du champ des humanités et des sciences sociales, tout le reste fait quand même beaucoup de choses. Après Simon Kimbangu, qui l'a dit, et on l'a répété tout à l'heure, son successeur, son éminence Joseph Diangenda Joseph Diangenda Kuntima, a bien vu ce danger et mesuré le risque que comportent ses opinions diverses, ses simples opinions, ses idées reçues, ses conversations de bistrot et de bar, colportées à longueur d'année et qui prétendent se donner les couleurs de la vérité. C'est lui, son éminence Diangenda, qui a dit « Un jour viendront ici des gens qui ne sont pas des nôtres, qui ne sont pas des kimbanguistes, qui ne sont pas encore des kimbanguistes. Ce sont des femmes
et des hommes de savoir. Ce sont des spécialistes, des savants, Batwa Mayele, comme on dit en Lingala. Ils viendront ici libres, avec leur savoir et leurs compétences, pour rétablir l'honneur de Simon Kimbangu. Ils viendront ici pour établir de la manière la plus claire et la plus irréfutable ce que Simon Kimbangu a voulu, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, ce qu'est son Église, ce que furent et ce que sont ses compagnons, ses fidèles, ce qu'ils font, ce qu'ils veulent et ce qu'ils peuvent faire pour ces pays. Un jour viendra, mais vous savez que les prophètes et les maîtres de la spiritualité ont une manière de compter le temps qui n'est pas la nôtre, nous qui sommes le commun des mortels. Ce jour annoncé par son éminence Joseph Diangenda Kuntima, c'est aujourd'hui. Mais la veille de ce jour fameux aurait dû être hier, ce n'était pas hier. C'était il y a un an et demi, le 24 décembre 2009. Ce jour-là, lors de la commémoration du cinquantenaire de la reconnaissance officielle de l'Église kimbanguiste par le pouvoir colonial, nous avons été conviés ici, dans cet amphithéâtre Marie Mouilou, par le chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste, son éminence Simon Kimbangu Kiangani, qui est ici. Nous nous sommes trouvés ici, sur ce podium, une pléiade de chercheurs, spécialistes, professeurs, enseignants et savants congolais. Et nous avons découvert, à notre très grand étonnement, cette chose extraordinaire et inattendue. C'est que chacun d'entre nous, campé dans son domaine de compétences, chacun d'entre nous, sans que nous nous soyons concertés, chacun d'entre nous avait quelque chose de singulier, d'important et d'original à dire sur Simon Kimbangu et sur le kimbanguisme. Tout le monde, donc, a quelque chose à dire sur Simon Kimbangu et sur l'Église kimbanguiste. Les observations et les questions du public, aussi nombreux qu'aujourd'hui, ont commencé à fuser, et son éminence s'est levée pour dire « Arrêtez le débat, arrêtons le débat ». Et s'adressant à nous, il nous dit « Voulez-vous revenir ici dans un temps proche, avec vos collègues de par le monde, revenir ici pour dire et établir de la manière la plus claire, la plus irréfutable, ce que Simon Kimbangu a dit et a fait, ce qu'est l'Église kimbanguiste, ce que sont les kimbanguistes, dire ce qui est connu, mais aussi ce qui n'est pas connu, dire ce qui est accepté, mais aussi ce qui est sujet à controverse, dire encore ce qu'il faut faire pour en connaître davantage. Venez, venez le dire avec les certitudes de vos techniques et de vos compétences. Nous ne vous demandons rien. Venez le dire avec l'audace de vos théories, avec l'entière liberté d'esprit qui est la vôtre, avec l'aiguillon de vos interrogations et de vos questionnements. Nous savons que vous pouvez le faire. Venez, nous avons besoin de vous. Je demande ici à tous les hommes de science, à toutes les femmes de savoir qui sont ici, quel est celui ou celle d'entre vous qui refuserait de relever un tel défi. Nous avons donc pris sur nous de relever ce défi. Mais je parlais de rumeurs. Que n'avons-nous pas entendu? En particulier, le secrétaire exécutif de ce comité, le professeur Sabaki Nukivilu qui est là, que n'avons-nous pas entendu? Quelqu'un est venu me dire, « Mais Elikia, je ne savais pas que tu étais Mukongo. » Je le regarde, « Mais oui, tu es Mukongo, non? Sinon, qu'est-ce que tu as à voir avec Simon Kimba ?» Un autre vient nous dire, à lui et à moi, « Qu'est-ce que j'apprends? Mais vous êtes cachotiers tous les deux. Vous ne nous avez pas dit que vous êtes devenus kimbanguistes. » Mais oui, vous êtes devenus kimbanguistes. Tout ce tapage que vous faites depuis quelque temps sur Simon Kimbangu, c'est pourquoi? À cause de vous deux, on n'entend plus que parler de Simon Kimbangu. Simon Kimbangu par-ci, Simon Kimbangu par-là. À la radio, à la télévision, il n'y en a plus que pour lui. C'est vous qui vous occupez de cette conférence, Simon Kimbangu. Évidemment, vous êtes kimbanguiste. Un autre encore. Mais vous deux, là, vous vous croyez malin?
Et est-ce que vous savez seulement où vous avez mis les pieds? Est-ce que vous savez dans quel engrenage vous avez mis les doigts? Ces gens-là, vous ne les connaissez pas, les kimbanguistes. Mais vous allez voir, votre comité machin truc là, vous tous, bientôt vous serez des kimbanguistes, habillés en vert et blanc. Mais j'ai entendu aussi, à Kinshasa, comme à Paris, à Bruxelles, à Madrid, où nous avons été rencontrer le professeur Luis Beltrán, qui est ici présent, et que nous avons fait docteur honoris causa hier. J'ai entendu à Ouagadougou, à Salvador de Bahia, des gens, des tatas, des mamas, des jeunes, des vieux, toutes sortes de personnes, me dire « Papa, merci, merci Mingi, vous ne me connaissez pas, mais moi je vous connais. » Je sais ce que vous faites sur Simon Kimbangu. Je sais ce que vous faites pour Simon Kimbangu. Merci, papa. Et je réponds toujours, ce n'est pas moi qu'il faut remercier. Ce n'est pas nous qu'il faut remercier. Nous, nous ne sommes pas des gens de l'Église. Nous, nous sommes des hommes de science, des travailleurs de l'esprit. Quand la demande est juste, quand la demande en vaut la peine, nous faisons toujours ce qu'on nous demande de faire. Celui qu'il faut remercier, car il y a quelqu'un qu'il faut remercier, c'est son éminence Simon Kimbangu Kyangani. C'est lui qui a décidé de faire, c'est lui qui nous a demandé de faire.